Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Je vais essayer de siphonner un petit peu le bidon d'essence. Plutôt, je vais essayer de prendre un petit peu d'essence dans la voiture. J'espère juste ne pas tomber sur des monstres. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt calme. Mais il y a un nouveau bruit, il y a un petit bruit qui vient d'apparaître, donc ça me fait un peu flipper là. Il y a du monde, il y a quelqu'un, il y a personne. Où est-ce qu'elles sont ces voitures en question? Oh, ça va. Ok, les infectés ne voient pas les lampes torches. Encore heureux, hein. Donc c'est qu'ils sont juste à côté, à mon avis, les amis. Eh, c'est le parcours du combattant ce jeu-là en fait, hein, par moment. Ok, pas d'armes ici. J'avance vraiment prudemment parce que je sais pas ce qui m'attend. J'ai pas envie de tomber sur des kraken, etc. ou des monstres bien différents. Je sais pas sur quoi on peut tomber encore, mais je me méfie. Hein. À ma première vue, y a rien. Y a pas d'essence ici dans les parages? C'est pas vrai. Là, c'est juste une déco. Merci pour la petite explosif. Non, là, y a rien en fait. Bon, je vais essayer tout simplement de pouvoir revenir un petit peu sur mes traces. C'est ce que j'allais dire, mais en fait, je pense que ça va être plutôt préférable. On va repasser ici. Ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi, ça me fait peur. Donc, il doit y avoir de l'essence quelque part. Mais en fait, je suis un gros con parce qu'il y a des camions en fait à proximité. Wouah! Putain! Oh, je me suis chié dessus! Oh, le truc de dingue! Ça y est, je suis en extasie maintenant. Oh non, non, non! Oh, comment je me suis chié dessus! Balles, c'est pas possible ça. Oh là là, je vous dis pas comment je suis en train de sauter là. Bah, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Bon, en fait, je suis con parce que les camions étaient tout simplement à proximité et moi, comme un idiot, je voulais tout simplement. Oh, mais ils me repèrent d'un coup. Hein. Recharge vite. Je sais pas combien il y en aura, mais à mon avis, si je commence à. Tirer tous mes balles, on est dans la merde. Coucou toi. C'est bon, 2 balles. Ok, putain, ça me fait. Allez, j'ai la chair de poule là. À cause de toutes ces conneries. Bah, de l'essence, il y a 2 possibilités. C'est soit je prends le camion. Attends, je vais essayer de prendre un peu ça, vu que je me suis fait un peu avoir. Parce que moi, en fait, je cherchais les voitures dans la cinématique de la fille, en fait, en question. Je pensais que c'était derrière. Bon, alors on va prendre un peu d'essence ici. Oh, c'est vide. Oh, ça va pas recommencer avec leur histoire de vide. Ils sont pas sérieux, les gens. Là, c'est plein. Oh non, mais sérieusement, faut arrêter vos conneries. Hein. Bon, ça fait 2 vides pour l'instant. Il n'y a pas un. Je pense que c'est un seul camion qui doit être plein. Je dirais plus le rouge. Ah, bingo. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je prends le tuyau et. Je siphonne tout.
Voilà. Ben voilà. Ça devrait suffire. Donc là, ça va être bon, je pense. Si je tombe pas encore sur des monstres un peu farfelus qui voudraient me dégommer. Ça, ça mène où après ça? Ok, bon. On va remplir un petit peu le générateur d'essence. Eh, c'est pas évident tous ces monstres qui me tombent sur la gueule, hein. Oh, c'est pas possible. Bon, on actionne un petit peu le générateur cette fois-ci. Encore quelques impulsions et ça sera bon. Putain, c'est quoi tout ça? Bon, c'est noté. Ok. On touche pas l'eau électrifiée. Pigé. On va plutôt passer par là, qu'est-ce que vous en dites? Ça sera préférable, hein. Là, j'avais repéré un truc. Ouais, mais si tu veux que je passe... En plus, j'ai une porte de l'autre côté. Je pense que je vais passer de l'autre côté au cas où. Je sais pas si je vais mourir, mais je pense que oui. Bon bah, désolé, hein. Ellie, en fait, elle a tout simplement pété un plomb. Ça lui arrive souvent, ça. Oh, le manque de bol, quand même. Je pensais que c'était que sur les zones bleues que je pouvais... pas m'approcher. Y'a quoi, là? Ok, j'ai quelques trucs qui vont m'être utiles, là. Ouais, parce qu'en fait, je pensais que c'était les zones bleues qu'il fallait éviter, que après tout le reste, c'était tout simplement jouable, en fait. Mais mieux vaut éviter après de trop s'aventurer un peu n'importe où. Ouais, baisse-toi, Ellie. Regarde devant toi. Je pense qu'il y a un truc qui va s'écrouler. Tu vas pas tomber dans l'eau et te faire électrocuter. C'est pour ça qu'il y avait des trucs ici, en fait, tout à l'heure. Je viens de comprendre. Des produits bizarres là. Ouais, prends le truc. Moi je sais que c'est la porte là-bas au fond que tu veux que je vise. De toute façon je m'en doutais que c'était ça là-bas. Ne t'en fais pas, j'avais bien compris. Ah ouais, par contre ça blague pas là. Tu sais plus où tu dois y aller. Ok, tu passes par là. Y'a pas des monstres quelque part qui vont arriver encore me botter mes fesses? Je pense que le hangar, il va m'attirer des zombies. Eh, c'est dingue, je pourrais pas m'en trouver dans ce genre de situation. Je péterais un plomb. Et tu fais quoi avec tout ça? On va réfléchir juste après. Peut-être qu'il y a quelque chose d'assez sympa là. C'est qui est là, là? Y'a personne. Pas de chance. Ok, donc là, je dois me balader avec ça quelque part. Ok, dans l'autre endroit à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là dans une télé? Eh, hey, qui a voulu un écran d'ordinateur? Il y en a un en fait, en promotion, dans ce carton. Y'a rien en fait hein, dans ces hangars. Hein. Oh, c'est pas possible. À quoi ça me sert ce chariot finalement? À mon avis, à rattraper. Voilà, je m'en doutais, c'était ça. Encore un peu, Ellie, 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 fais pas ta feignante. Allez, colle ça là. En fait, le mieux c'est que tu fasses ça. J'aime pas ce bruit. Et hop. Ah bah voilà. Je suis pas certain que tu peux passer de l'autre côté. Hein. Tu peux passer par où en fait ici? Y'a aucune issue là. Ok, les petits malins, ils veulent que je passe par là-bas. Ok, si c'est ce que vous voulez, y a pas de problème. Bien reçu. Petit problème, Houston. Ellie n'arrive plus à passer. Ça, ils ont pas prévu ça. Hein. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça y est, je me suis bloqué comme un con. Oh, mais c'est pas vrai ces trucs-là.
Bon, je pense que je peux passer à l'intérieur. Heureusement qu'ils ont prévu le truc. Non, 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 je veux pas que tu passes par là quand même. Je veux juste que tu te positionnes ici, là, et tu me pousses ce chariot. Parce que j'ai repéré où faut le mettre en fait. Faut le mettre tout simplement ici. Voilà. Après, tu montes là-haut. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je m'en souviendrai de cette connerie. Merci pour le rideau métallique qui n'a servi pas forcément, qui me sert à rien. Ah, je peux pas, c'est trop. Ouais, merde. À moins que. On peut faire quelque chose encore de plus sympa, vous allez voir. Carrément, il s'est mis là le truc. Ça, je me suis posé la question, mais je fais, mais il est passé où le truc? Ça va me servir pour bloquer ça. Voilà. Là maintenant je peux plus tomber. Ne t'inquiète pas, Ellie, tout a été programmé pour pas que tu tombes. Pas trop tôt. Putain, je vais un peu trop vite là. Il faut pas qu'il y ait un truc qui pète. Ouais, c'est bon. On va essayer de enjamber ça. J'ai pas confiance, je sais pas pourquoi, mais. C'est bon, ouverture de la porte. Il y a encore de l'eau de l'autre côté? Non, ça va. Oh, j'aime pas ces endroits. Oh putain! Mais c'est pas vrai! Pas vrai. Salut. Eh, s'il vient, je l'éclate sa race. Viens là. Ça va. Ils sont pas là. Ouais, c'est ça. Là, 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 ils sont trop nombreux. Je pourrais rien faire avec mes 4, avec mes 3 balles, hein, de toute façon. Comment je déteste ces monstres-là. Soi-disant, ils écoutent rien, ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, mais ils sont combien? 1, 2, 3, 4, ça va pour l'instant. Mais l'autre, il commence à trop se rapprocher sur moi. Et la manette, c'est pas le moment de déconner, hein. Tu veux que je fasse quoi avec tous ces monstres, moi? Je pensais qu'il pouvait pas me voir, moi. Pourtant, je les prends bien par derrière. Oh! Hey, tu fais quoi, toi? Moi, tu fais quoi? Tant pis, hein. Là, je cavale, j'ai pas le temps. Oh là là, pousse-toi, toi. Ok, bon, bah, il m'a dégusté le derrière. Oh, c'est pas vrai, vous avez vu la vitesse, comment ça va? Ok, donc je pense que ça sera préférable de les balancer autre part, les mecs. Oh, il y en a trop, putain, la vache. Mais pourquoi tout à l'heure il a signalé l'alerte? Je comprends pas. C'est bon, j'ai réussi à esquiver. J'ai pas compris pourquoi il y avait l'alerte qui a été déclenchée en fait, pourtant j'avais rien fait. Ok, bien reçu, ils sont tous là. Merde, Bodhi, c'est la bouteille maintenant qu'il faut que tu utilises. Comme ça, je m'éloigne un peu de ces petits monstres.
Allez, courez là-bas, merci. Ah, mais ils reviennent d'un coup aussi. Oh, il y a des trucs ici. C'est le mec trop intelligent. Il balance toutes ses bouteilles pour se faire remarquer juste après. Ah, mais ils ont des délires assez psychopathiques, hein. Psychopathe, va, fous-moi la paix. Oh la vache. Sans quoi qu'il arrive, il faut que je passe par le rideau à mon avis. Mais cours là-bas. Mais cours là-bas toi. T'es obligé de venir me faire chier jusqu'ici, lui. Et vas-y, et fous-moi la paix, toi. Hein. T'es pas mon pote. J'ai pas envie d'entendre parler de toi. Moi, je me casse. Oh, le truc de dingue. Tu fasses quoi, moi, maintenant? Faut que je me fabrique une bombe ou quoi? J'ai même pas cette possibilité de me fabriquer des explosifs. J'ai rien dit. Ah, ça va me plaire, ça. Je vais les éclater. C'est quoi les plus durs? On va bien rigoler. Déjà, mais qu'est-ce que tu vas nous faire comme connerie? Oh, pauvre chou, tu es en train de mourir. Mais pourtant, je t'ai tué. C'est un truc de... Oh merde, 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 il y a l'autre qui arrive. C'est le seul qui me reste. Bon, vu que c'est le dernier, hein, on va lui mettre une balle en pleine tête. Bon, dis, t'es un vrai con. Oh le délire. Ah, je me suis fait avoir comme un idiot. J'ai pas envie d'utiliser ça pour juste pour lui faire plaisir. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Explose. Merci. On est tout seul maintenant. Ouais, c'est bon, je pourrais enfin ramasser des armes sur eux. Ok, donc on aura quelques balles supplémentaires, ce qui n'est pas rien. De toute façon, j'avais pas le choix que de les neutraliser à mon avis. Je pense que j'aurais même oublié des trucs. Vous allez voir qu'il y a des produits quelque part par terre. On va essayer de se faire une trousse de soins si j'ai cette possibilité. Non, j'ai pas. Le kit médical, il me manque un peu d'alcool. Je pense qu'on va le trouver dans pas longtemps. Non, ça c'est encore une bouteille. Il n'y a rien. Eh, mais c'est vraiment désert comme magasin à chaque fois. Je vais dans des magasins où il n'y a jamais rien. Moi, je sais que c'était à la fin du monde, mais quand même. Exagérons pas non plus. Les rayons ne peuvent pas être aussi dévalisés que ça. Oh non. Ah, là c'est encore une brique. Regardez bien, vous allez vous marrer. Hein. Quoi qu'il arrive, fallait que je fasse du bruit avec le rideau. Ah ouais, t'es sûr et certain que t'es cramé. Hein. Retour à la case départ. Mais grave, mais sauf que la porte est ouverte cette fois-ci, donc... Oh là 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 là. La vache, d'où est-ce qu'ils sortent tous? Je sais que c'est la porte que tu vises. C'est dingue, hein, tous les monstres qui viennent d'arriver. Hein. Je sais qu'il y a un poste de soins là-bas. Oh, mais putain, il va à la même vitesse que moi, il m'énerve, lui. Hein. Fous-moi la paix, hein. Ouais, je vais essayer. Oh là là, mais rien de la vitesse, comment maintenant ils courent les mecs. Hein. Et je vais t'exploser, toi. Ouais, c'est bien, mais hey, franchement, il n'y a pas des blagues là par moment. Il n'y a pas des blagues. Ce jeu-là, hey, franchement, c'est un jeu de farceur. Hein. Je vais aller plus vite que la bestiole en question.
C'est où j'avais vu des trucs. D'accord. Juste pour ça? C'est pas vrai, j'ai juste ramassé un tout petit truc. Et je sais pas pourquoi, dès que ça va m'ouvrir la porte, ça va faire un sacré bruit. Putain, maintenant il part de ce côté-là, faut arrêter le délire aussi. Ils exagèrent quand même, hein. Ils exagèrent dans ce jeu-là, qu'est-ce que vous en dites franchement les amis? Vous trouvez pas que c'est un jeu de farceur? Ah, je voulais encore la planter. Au moins il fera moins de bruit. Bon lui ça va, pour l'instant il est assez loin, mais bon. J'ai peur d'appuyer et que ça fait bing. Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait faire ça. On va prendre un peu de truc. Eh, ça rigole pas, hein. Franchement, ça m'a stressé cet épisode. J'en peux plus. J'en peux plus. Où est-ce qu'ils sont? Ah, d'accord, il y en a trois d'un coup qui viennent d'apparaître. Donc moi, les amis, je vous retrouve tout de suite pour la suite, ok? Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.